Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La collecte de fonds pour la lutte contre le Covid-19 lancée par l'opposant Maurice Kamto pour le compte de son initiative Fonds Survie Cameroun est une action qui cache un plan de déstabilisation du Cameroun. À cet effet, le ministre de l'administration territoriale, à travers un communiqué, demande l'arrêt immédiat de ces initiatives. Aussi, Paul Atanga NJI demande la clôture de tout compte bancaire ouvert à cet effet. Mais quel est le plan diabolique qui se cache derrière cette collecte de fonds initiée par Maurice Kamto? Écoutons maintenant le décryptage du plan de déstabilisation du Cameroun caché derrière cette collecte illégale de fonds. Écoutons. Essayons de partager dans les groupes, parce que je suis tombé comme ça en me baladant sur le web, sur quelque chose de très très grave, de très très grave, que certains même sont tombés dessus, vraiment dessus. Puisque certains politiciens au Cameroun ont décidé de surfer sur la pandémie Corona, la pandémie du Covid-19, pour se positionner, pour mettre à mal le pays, pour déstabiliser totalement le pays. Et voilà, donc c'est de ça qu'il est question ce soir. Je suis tombé comme ça sur quelque chose qui m'a tout de suite amené à faire un direct parce que c'était inacceptable. J'ai voulu publier ça comme un article, mais malheureusement, je me suis dit, comme beaucoup de gens ne lisent pas, vaut mieux je fais un direct comme ça. Il y aura plus de monde, plus de personnes qui seront touchées. Bien sûr, si vous partagez, parce que si vous ne partagez pas, beaucoup de gens ne seront pas au courant. Donc, c'est qu'il s'agit de quoi plus principalement? Vous savez, Macron avait été interpellé par un certain Sénégalais au salon de l'agriculture en France le mois dernier. Et on ne va pas tout revenir là-dessus. Et vous savez que le président Macron a fait état, a fait mention d'un certain nombre de choses qui sont d'ailleurs de l'ordre du privé, du confidentiel. Puisque les échanges entre hommes d'État, entre chefs d'État, restent frappés du sceau du secret défense. Voilà. Et du secret et du confidentiel, de l'ordre du confidentiel, ce que je veux dire. Donc, Macron a exposé ce qu'il a échangé avec le chef d'État camerounais. Ce qui n'est jamais vu dans ce monde, plus principalement, les échanges téléphoniques privés entre chefs d'État restent privés. Et beaucoup de gens pensaient que ça n'a gêné que le président camerounais. Non, ça a gêné même le président français lui-même, parce que ses homologues étrangers savent maintenant que c'est un perroquet, quelqu'un à qui on ne peut pas confier un secret. Donc, voilà, Macron a déballé devant un badaud qui n'est même pas camerounais, comme quoi il a fait pression sur le chef de l'État camerounais pour la libération de M. Kamto, pour un certain nombre de choses. Et il a dit qu'ils ont souvent eu à faire tomber des régimes en créant des réseaux parallèles dans des pays, des réseaux parallèles sur qui étaient, n'est-ce pas, essentiellement constitués de ce qu'ils appellent la société civile, mais en réalité, c'est des organisations créées pour infiltrer les sociétés camerounaises et africaines. Hein. Ils appellent ça les ONG, et puis bon, voilà. Et c'est pas, en réalité, c'est des ennemis drapés, c'est des agents qui sont là, attendant le bon moment ou la mission qui leur sera confiée. Donc, voilà de quoi est le rôle des ONG et de la société civile en Afrique. Et vous ne verrez pas la société civile en Occident, ça n'existe pas, c'est des bêtises. La loi est là, le droit est là. Ce qui est aussi parfois, c'est ce qui est souvent alarmant, souvent avec les Africains, c'est qu'ils sont prêts à trahir leur pays, à vendre leur pays pour se faire un nom, pour un enrichissement personnel, et c'est le cas
de M. Kamto en ce moment. Donc, quand M. Macron avait parlé, un chef d'État ne parle pas comme ça. Et quand il parle comme ça, c'est une déclaration de guerre, à peine voilée. Le peuple ne comprend, prend ça au premier degré comme étant une insulte, mais c'est une déclaration pure et simple, claire et nette. Et c'est ça que Macron a fait au salon d'agriculture face à monsieur, je ne sais pas, Calibri, qui n'était qu'un prétexte, parce que c'était bien préparé. On a donné une carte de presse à ce monsieur-là pour qu'il se fasse passer pour un journaliste, afin que quand il interpellera monsieur Macron, qu'on ne le traite pas de voyou, qu'il ne soit pas plaqué au sort par les services de sécurité, mais qu'à travers son badge, qu'on reconnaisse que c'est un monsieur de l'agence France Presse, c'est un monsieur qui travaille pour LCI, c'est un monsieur qui a une carte de presse dans notre territoire. Voilà pourquoi on a laissé Macron. On a laissé monsieur Calibri. Donc, le laissant, il n'était qu'un alibi, en réalité, pour ce que Macron avait à dire. Sa déclaration de guerre contre le Cameroun, sa déclaration de guerre explicite. Parce que les analystes, les géostratèges savent qu'un président ne parle pas comme ça. Et quand un président ne parle pas comme ça, quand un président s'exprime comme ça, ça veut simplement dire « je donne un tel nombre de jours à tel ou parti ». C'est ça qui est question. En remplacement de qui? En remplacement de M. Kamto, qui venait juste de passer en France, qui a donné des gages à certains hommes d'affaires français, parce que c'est de ça qu'il s'agit. M. Kamto a donné des gages, des signatures de contrat à certains hommes d'affaires français, à certains réseaux français, à une certaine élite française. Voilà. Et en promesse, il a eu en retour la promesse d'être porté au pouvoir pour la concrétisation de ces accords secrets. Et ils ont essayé, depuis là, un certain nombre de choses, des insurrections à Douala, ça peut marcher. Le meeting non autorisé que M. Kamto tient à Douala, de son retour en France, était prémédité. J'amène le sujet, je vous explique un certain nombre de choses pour que vous compreniez pourquoi est-ce que, où est-ce qu'on va. Essayez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Essayez de mettre les cœurs, il y a des têtes de moi. Je vais les traiter à la fin, là. Parce que, voilà. Mais je vais les traiter à la fin, quoi. Donc, essayez de mettre les cœurs pour que le bonjour à Ban Willy. Voilà. Donc, essayez de mettre les cœurs pour contrebalancer. Vous savez, Facebook n'a pas le temps de venir contrôler chaque page, chaque direct. C'est à travers certains signalements que leurs algorithmes, leurs polices, robots automatiques se mettent en branle pour, n'est-ce pas, essayer de voir ce qui se passe. Donc, essayez de mettre des cœurs parce que ceux qui ont suivi M. Kamto n'arrive plus à faire des directs là-bas au Cameroun parce qu'il n'a pas payé sa facture de téléphone. Donc, c'est pour ça qu'il a du mal à faire des directs au Cameroun. Donc, maintenant, ils se contentent de faire des vidéos enregistrées qu'ils envoient à ses membres de la base, qui diffusent ça. Ou alors, ils font un communiqué. Alors, ce que Macron a déclaré au salon de l'agriculture il y a quelques semaines est en train de se concrétiser et ça a eu beaucoup d'essais qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que M. Macron a dit qu'il travaillera avec la société civile. Il travaillera avec d'autres hommes que ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi? Parce que le port de Douala a été retiré à M. Bolloré. Et beaucoup d'hommes d'affaires français n'arrivent plus à gagner des marchés routiers de construction ou de livraison du matériel ou de certains services au Cameroun. Alors, M. Macron est très en colère contre le président de la République qui ne trouve plus maniable, quoi. Ou alors, à leurs yeux, docile. Vous n'avez qu'à voir comment les Européens nous considèrent à travers cette affaire de coronavirus, où ils déclarent haut et fort dans les médias que les populations africaines doivent se sacrifier pour l'Occident.
C'est-à-dire qu'on doit accepter les vaccins en Afrique pour le bien des Occidentaux qui meurent de cette maladie-là, de cette pandémie-là. Donc vous comprenez très vite la considération qu'a l'homme blanc envers l'homme noir. Depuis des listes, moi-même qui vis ici où je fais ce live, je peux vous témoigner, je peux vous dire que l'homme occidental n'a aucune considération pour l'homme africain. Tout ce qu'ils font là, faux sourire, tout ça, c'est pour nous endormir. Ils ont mis un certain nombre de mécanismes, les maladies qu'ils ont injectées en Afrique, le sida, Ebola et plein d'autres. Comprenez, pour que vous vous demandez pourquoi le paludisme n'a jamais trouvé un traitement en Afrique. Et alors qu'il y a tous ces laboratoires ici. Novartis, Bayer. Donc, ces gens n'ont aucune considération pour la race noire. Et c'est vraiment triste de voir certains hommes politiques africains aller se mettre en collaboration. On dira le président de la République, son Excellence Paul Biya. Mais le président de la République, il faut être malin. C'est-à-dire que vous les faites croire que oui, nous sommes ensemble. Et puis, vous les sortez la carte. Le grand jeu à la fin, à la dernière minute. Et c'est ça que beaucoup de présidents africains comme Ali Bongo ont fait. C'est ça que le président, comme le président Gbagbo a fait. C'est la même démarche avec le président camerounais Paul Biya. Et la France n'aime pas ça. Le Cameroun est devenu incontrôlable. La France veut mettre à tout prix un homme de paille au palais de Tudi. Et ils ont choisi Kamto, qui les a donné des promesses, qui les a donné des accords, des signatures de contrats miniers, pétroliers, et tout ce qui, comme vous savez, tout ce qui comporte comme tout ce que le Cameroun comporte comme richesse sera bradé si jamais ce monsieur-là parvient au pouvoir. Alors, revenons sur le COVID-19, cette pandémie mondiale qui a été créée en laboratoire et dont on savait que le réservoir, ou même pas le réservoir, les bastions, ou les lieux où cette maladie, cette pandémie sévira, sera l'Afrique. Parce que je vous ai toujours dit ici, ils veulent faire de l'Afrique, ils veulent s'accaparer de l'Afrique, des richesses africaines, tout en exterminant les Africains. Non. Tout ce qu'ils ont essayé aujourd'hui n'a pas marché. Les maladies, les guerres civiles, les coups d'État, l'asphyxie économique à travers le franc CFA, les accords néocoloniaux, les barrières douanières, tout ça n'a pas prospéré. Malgré tout, on se bat. On se bat. On s'accroche. Et ça met à mal les plans de l'Occident. Donc l'Occident savait que le Covid-21 allait faire son lit en Afrique. Mais malheureusement, on voit que c'est en France, chez Macron, en Italie. Bien évidemment, il faut déplorer tous ces morts. Ces gens ne meurent pas à cause de Macron, ils ne sont même pour rien, tous ces gens qui sont décédés jusqu'à présent en France. Mais l'élite française, qui lutte pour ses intérêts, a décidé et s'est dit que dans un avenir proche, avec ce que nous avons planifié, tous les Africains seront neutralisés. Alors, voici une lettre que je suis tombé comme ça, sur laquelle je suis tombé en parcourant le net. Une lettre, une correspondance du ministère d'Europe et des affaires étrangères françaises. C'est une lettre qui date du 24. Ça se voit renversé. Du 24 mars 2020. Nous avons assisté tous à l'annonce, à ce fake news qui annonçait la mort du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Ce grand fake news qui était orchestré.
Et aujourd'hui, il paraît clair et net que certains services occidentaux sont cachés derrière. Vu mes analyses, c'est ce qui paraît et c'est ce qui transparaît. Et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est pour ça que je vais vous dire que je vais vous présenter un certain nombre de choses. Ça dit, vous avez une lettre ici du ministère des Affaires étrangères français, Centre d'analyse, de prévention et de stratégie. Lettre numéro DNDI. Hein? NDI. Cercle ouvert. NDI, on sait qu'il y a la NDI, la National Democracy Institute de Christophe Fomounio qui est affilié à George Soros. Ça, c'est la NDI. On peut dire que c'est des initiales de quelque chose d'autre, mais on s'interroge. Donc, on va s'interroger au cours de cet entretien. La lettre, elle est de 2020-0-1-6-1-8-1-2, entre parenthèses, cercle ouvert. Note diplomatique. Pour destinataire in fine. Objet. Note du CEPAS. L'effet papillon, la tempête qui vient en Afrique. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la mort du chef de l'État n'est pas encore annoncée, mais elle est en préparation. On parle du Covid-21 dans cette lettre. Résumé, la crise du Covid-19 peut être le révélateur des limites de capacité des États incapables de protéger leur population. Suivez bien la démarche de Kamto. C'est-à-dire, je vais vous dire déjà en entrée de jeu, c'est-à-dire l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative est une création du ministère des Affaires étrangères française. Ce n'est pas Kamto qui crée ça. Voilà ça. Et Kamto annonce ça le 4 avril de ce mois. Alors que, c'est-à-dire que le gouvernement français avait déjà créé cette initiative pour lutter contre le Covid-21 en Afrique bien avant le 4 avril, date où Kamto l'a annoncé. Voilà ça, voilà le logo. Le ministère des Affaires étrangères française, c'est-à-dire, ils disent, la crise du Covid-19 peut être un révélateur des limites de capacité des États incapables de protéger leur population. En Afrique notamment, ce qui pourrait être la crise de trop qui déstabilise durablement, voire qui met à bas des régimes fragiles, entre parenthèses le Sahel, c'est-à-dire Mali, hein, entre parenthèses le Sahel, ou en bout de course, ils mettent Afrique centrale. Vu d'Afrique, le Covid-19 se présente sous la forme d'un chronogramme politique qui va amplifier les facteurs de crise des sociétés et des États. Il n'y a qu'au Cameroun que ça se passe. Il parle encore là de l'Afrique centrale. Et il n'y a qu'au Cameroun où, n'est-ce pas, il existe un chronogramme politique qui va amplifier les facteurs de crise des sociétés et des États. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a aucun homme politique, aucun opposant en Afrique qui a réussi de récupérer cette affaire, cette pandémie-là, sauf Kamto. Parce qu'il avait été préparé en France, dans les réseaux français, dans les officines françaises, à quelque chose à venir. Voilà ça. Donc, je continue, je poursuis. Face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Kamto. C'est-à-dire que les officines françaises ont mis dans les réseaux sociaux, ont lancé à travers leurs hommes, parce que officines françaises, M. Cameron Lapanthère et un certain nombre de personnes qui vivent ici en Allemagne, partout en Europe, ont lancé, n'est-ce pas, partagez le direct, ces officines françaises ont lancé cette rumeur sur la fausse mort du chef de l'État camerounais pour, n'est-ce pas,
lancer une insurrection au Cameroun pour faire sortir les Camerounais et faire tomber le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à travers une fausse mort. Parce que la police, submergée, même si le président réapparaissait, il était impossible d'arrêter la foule en furie déclenchée par ce fake news. Mais ce que les Français, les Occidentaux ne connaissent pas en Afrique, c'est qu'on a un respect pour les patriarches, pour les hommes âgés. Même si tu penses du mal à un homme âgé, tu ne le dis pas ouvertement. Parce que tu te dis qu'il va te maudire. Et beaucoup de gens ont peur du chef de l'État parce que c'est un homme âgé, c'est un patriarche. Dans notre tradition, on respecte les hommes âgés. Donc, ce que les Occidentaux préparent ne peut jamais marcher sur ce plan-là, sur ce côté-là. Continuons. Aux conséquences politiques, c'est là où je me suis arrêté. Je dis encore, je répète encore, face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Est-ce que le chef de l'État, est-ce que le gouvernement camerounais s'était senti déjà défaillant? Est-ce qu'ils sont discrédités? Le président de la République a créé un fonds de solidarité nationale pour lutter contre le COVID-21. Un fonds dans lequel tout le monde peut participer, apporter sa participation, sa contribution. Pourquoi Kamto a créé encore un soi-disant fonds de lutte contre le COVID-19? Et vous allez voir, le ministère des Affaires étrangères française, dans sa correspondance, dispositif organisationnel, vous avez ici le résumé que je venais de finir. J'espère que vous m'avez bien suivi. Je vais publier ce livre-là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Dispositif organisationnel. C'est là où apparaît maintenant la pseudo-initiative de Kamto. Elle est là. Voilà, là. Elle est en jaune. Sur dispositif organisationnel. Suivi Cameroun. Survival Initiative, abrégé, entre parenthèses, SCSI, est une gigantesque organisation populaire des Camerounais. Disons même que cette lettre n'avait pas été écrite le 24. Est-ce que le gouvernement camerounais est défaillant? Est-ce que le gouvernement camerounais est défaillant? On ne compte que 10 morts. On est à 70 guérisons sur 600 cas, sur 600 personnes atteintes. On a 10 morts. Faites vous-même la balance. On a 70 guérisons totales et on a près de 400 personnes qui sont en voie de guérison, mais ils sont encore en observation. Mais les Français ont déjà déclaré que c'est un gouvernement défaillant, dont le gouvernement camerounais. Et ils ont crié déjà bien avant la mort du chef de l'État, la fausse mort du chef de l'État, cette initiative. Et le porteur de cette initiative, c'était M. Kamto Maurice. Voilà. Je continue, je reprends encore. Suivi Cameroun, Survival Initiative est une gigantesque organisation populaire des Camerounais, du Cameroun et de la diaspora qui transcende tous les clivages, qu'ils soient politiques, ethniques, religieuses, philosophiques, etc. Elle n'appartient par conséquent à aucun parti politique ni à un groupe. Elle comprend deux principaux niveaux d'organisation et de fonds. Deux points. Le comité de parrainage, le comité de gestion et le fonds de survie. Ça, c'est tout Kamto. C'est-à-dire, le gouvernement français vient en appui à ce qu'ils avaient créé en amont et remis entre les mains de Kamto, cet agenda caché dont on vous parle tout le temps. Et qui est, pas seulement dans ce cas, dans beaucoup d'autres cas, guerre, insurrection, crise économique, asphyxie, franc CFA et tout ce qui va avec.
Voilà donc, je ne veux pas trop m'étaler, ça va déjà là, c'est bon. Donc, voilà, le ministère des Affaires étrangères française parle de ce dispositif déjà le 24 mars 2020. Et le 25 2020, on annonce, on lance la rumeur de la fausse mort du chef de l'État. Maurice Kamto sait que le chef de l'État est vivant. Si vous écoutez son discours d'aujourd'hui, il dit que il sait que le président Paul Biya viendra se présenter bientôt en sauveur. Est mort. Est mort. Mais Jésus. Il viendra se présenter en sauveur. C'est-à-dire que le président Paul Biya est vivant. Et il viendra récupérer. Récupérer quoi? C'est le président Paul Biya qui a donné les directives. C'est le président Paul Biya qui a créé un fonds de solidarité national pour la lutte contre le COVID-19. Ce n'est pas Maurice Kamto. Maurice Kamto est venu pour essayer de télescoper ou alors chevaucher ou alors gêner ou encore gêner cette initiative-là parce que ça mettait à mal. Ils ont tellement déjà asphyxié, essayé d'asphyxier l'économie camerounaise qu'ils pensent que le Cameroun ne peut pas faire face au COVID-21. C'est ça que les Occidentaux ont planifié. Ils ont tellement asphyxié le Cameroun avec Boko Haram, la guerre coûte cher. Mais mes chers amis, le président Paul Biya aussi s'est préparé. Il a mis de l'argent de côté pendant des années. Il y a des fonds souverains. Il y a des plans d'urgence. Nous avons organisé l'élection présidentielle de 2018. L'Union européenne a voulu financer le président Paul Biya, dit merci. Les États-Unis ont voulu financer le président Paul Biya, dit merci. En passant, de ce côté-là, Maurice Kamto souhaite une nouvelle élection au Cameroun financée par les États-Unis. Vous voyez? Financée par les États-Unis. C'est pour ça qu'il demande une nouvelle élection au Cameroun. Parce que les Occidentaux lui ont dit, si vous arrivez à le faire tomber, vous n'allez pas prendre le pouvoir directement. Mais on va organiser une mascarade, une semblant d'élection et nous allons financer ça. C'est le gage que les États-Unis ont donné s'ils parvenaient à faire tomber le président Paul Biya. Donc, ils ont tellement asphyxié le Cameroun avec la guerre contre Boko Haram où on s'est armé, on a doté notre armée d'armes modernes. Quand ils ont vu que ça n'a pas marché, ils nous ont crié la crise anglophone. Et beaucoup d'argent est allé dans la crise anglophone déjà. Ça coûte cher. Ça coûte cher. La vie est dure au Cameroun. Il y a une pression fiscale qui est énorme. Parce qu'il faut, à cause des tensions budgétaires, il faut de l'argent dans les caisses de l'État. Et les Occidentaux ont bien planifié ça. Le président de la République a organisé ses élections de 2018. L'Union européenne voulait l'aider. Il a dit non merci. Il a organisé le grand dialogue national. L'Union européenne lui a proposé des milliards. Il a dit non, mon peuple va se débrouiller avec ce qu'il a. Les États-Unis ont proposé. Voilà pourquoi ils ne reconnaissent pas le dialogue national. Parce qu'ils n'ont pas dicté leurs lignes de conduite, leurs règles, leurs démarches, leur agenda dans ce dialogue-là. Et je peux même vous dire que dans ce dialogue-là, il y a eu des trahisons. Parce que quand vous voyez que le président de la République parle aux organisateurs en leur disant « Bon, voilà le thème qu'il faudra aborder, il faudra écouter les gens. » Il y a des gens qui sont allés relater tout ça aux chancelleries occidentales. Comment se passera le dialogue? Quelle trahison! Mes chers amis, vous devez le savoir. Quand vous me voyez habillé comme ça, voilà, c'est vrai, c'est l'été. Mais je ne suis pas militaire. Parce que je suis très énervé par un certain comportement d'un certain monsieur qu'on appelle Kamto, qui a décidé de livrer notre pays à l'Occident. Le président Paul Biya a organisé son dialogue. On lui a proposé de l'argent pour les législatives et municipales. Il a dit, niet, je vais me débrouiller avec le peu que j'ai. J'ai mes vieilles urnes là, des autres élections là. Je vais apporter avec les gens, vont mettre les enveloppes. Ah, voilà.
Et les gens vont, les élus, ceux qui seront votés. La preuve, Cabral Libi, Paul Eric Kingé a été élu. Nos vieilles urnes. L'Union européenne avait proposé leur argent. Le président a dit niet, merci. Comme on dit en allemand, danke. Non. Voilà pourquoi Kamto a voulu faire dérailler cette élection parce que ses mécènes, ses fiancés ont dit nous n'arrivons pas à influencer, nous n'arrivons pas à faire main basse sur cette chose-là. C'est verrouillé. Kamto s'est déclaré non partant. Et il allait faire campagne chez les Blancs. Bentangan. Monsieur Kamto. Vous avez fait allusion un peu à moi ce soir dans votre discours. Nous allons y revenir. Donc, le président de la République s'est battu jusqu'aujourd'hui avec le peu de moyens qu'il avait. Avec la crise du coronavirus, le Cameroun se bat. Et je crois que tout le monde est témoin que les morts, c'est en Occident, pas en Afrique. Mais on a déjà fait passer le Cameroun comme un pays étant défaillant. Je ne sais pas si vous avez vu un pays où il y a des morts du coronavirus. Par exemple, en Italie, aux États-Unis, ou à l'Équateur, ce pays d'Amérique du Sud, où les corps sont abandonnés au bord de la rue, dans des poubelles, des cercueils, parce que la file dans les cimetières est telle que vous faites deux jours avec votre corps, il se met à sentir. Les gens abandonnent les corps, ils s'en vont, ils fuient. Vous avez vu ça au Cameroun? Est-ce que vous avez vu ça au Cameroun? Est-ce que vous avez vu des colonnes de cadavres? Sauf s'ils organisent ça. Ils peuvent nous injecter le choléra demain. Pour ajouter une crise dans la crise. Regardez, cherchez, tapez Équateur, coronavirus en Équateur. Vous allez voir comment les gens abandonnent des cercueils. D'autres viennent voler même ces cercueils pour aller aussi enterrer leur mort. Ils enlèvent un mort d'un cercueil, s'en vont avec le cercueil pour aller enterrer leur mort dans ce cercueil-là. Est-ce que vous voyez ça au Cameroun? Pour que la France et Maurice Kamto déclarent l'état du Cameroun défaillant parce que le président de la République a refusé de répondre à leurs injonctions. Quand Maurice Kamto vient donner un ultimatum au président Paul Biya, quelle arrogance! Mais vous pensez que ces arrogants-là viennent n'importe où, un rien, un vaurien qui n'a jamais été élu quelque part, un monsieur qui n'a jamais eu le bac? Vous pensez que ça vient d'où? C'est parce qu'il est soutenu derrière. Il donne des injonctions parce qu'on le pousse, parce qu'il est soutenu par l'Occident, par les États-Unis, par les réseaux formoniens, par les réseaux français, des hommes d'affaires français. Voilà pourquoi il parle au président en disant « tu, monsieur Biya ». Il parle de gouvernement illégitime. Je vais vous faire une révélation ce soir qui va peut-être me vouloir une amitié, mais je serai obligé de le faire parce que cet ami-là, qui s'est dégaré un temps, ne veut pas lui-même faire cette révélation-là. Ça, ce sera en passant. Donc, le COVID-21 est une aubaine pour M. Kamto et ses alliés. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Est une aubaine pour ses alliés, M. Kamto, lui et ses alliés. Je ne suis pas dans les toilettes, je peux vous montrer la vanne qui existe dans toutes les toilettes. Je ne sais pas si les toilettes, les maisons modernes au Cameroun, en tout cas l'architecture, la plomberie moderne, exigent que dans toutes les toilettes, il y ait une vanne pour couper l'eau. M. Kamto fait du cinéma, il va se laver les mains et un individu coupe l'eau et l'eau s'arrête ici chez moi, puisqu'il y a toujours une vanne de sécurité. Il y a beaucoup de... Il y a la chasse d'eau qui est là, qui, n'est-ce pas, peut lâcher. Il y a le lavabo, la douche. Il y a où on lave les mains. Voilà. Ça peut lâcher à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de sources d'eau dans les toilettes. Donc, on a prévu une vanne pour couper l'eau. Et c'est cette vanne-là que M. Kamto, un de ses acolytes, un peu comme le faux assassinat dont il fait l'objet, il a raconté, ils ont monté de toutes pièces là, dans le nord Cameroun. Il a actionné cette vanne-là et il a coupé l'eau. C'est parce que je ne peux pas vous promener, je ne suis pas comme certains, je ne peux pas vous promener, mais c'est quand même mon intimité, si je ne peux pas vous promener. J'allais vous montrer, mais ceux qui habitent des maisons modernes, sans toutefois me moquer de certaines personnes, même dans les hôtels, vous allez voir qu'il y a dans les toilettes
une vanne qu'on actionne et qu'on peut couper l'eau à tout moment, avec laquelle on peut couper l'eau à tout moment. Donc, Kamto déjà place ses pions, pose sa stratégie, le Cameroun, les Camerounais n'auront pas l'eau pour se laver les mains. Mais le Cameroun n'est pas comme la France où les eaux sont souillées, polluées, les gens ont les pluies. On n'a pas besoin de la semaine pour laver les mains. Mais Kamto a dit que le gouvernement va échouer parce que c'était sa toute première sortie. Le gouvernement camerounais va échouer parce qu'il n'y a pas l'eau. Moi, dans mon village, je ne sais pas, on n'a même pas besoin d'eau d'abord. Dans certains endroits, il y a tellement de ruisseaux, il y a tellement de sources d'eau limpides, sans chlore, de la SNEC ou je ne sais pas quoi. C'est ici, en Occident, où les eaux sont souillées, polluées par des produits toxiques. C'est là où il faut toujours purifier de l'eau. Mais en Afrique, on n'a pas besoin de l'eau. On boit l'eau de source. Donc, M. Kamto et ses amis sont dans une logique de déstabilisation complète du Cameroun à travers le coronavirus, hein, où ils ont planifié, n'est-ce pas? Ils ont pensé que le gouvernement camerounais se retrouverait défaillant dans cette crise-là. Mais le président de la République a mis 1 milliard sur la table. 1 milliard sur la table. Rappelons que tous les projets d'adduction d'eau au Cameroun du chef de l'État a été mis à mal, toujours par ce coup d'État scientifique. Parce qu'il faut savoir au Cameroun, c'est que vous pouvez nommer un ministre, excusez-moi si je ne vais pas rumer, vous pensez que c'est un homme intègre, mais c'est un réseau dormant. Ça dit quoi? Il est franc-maçon par exemple, c'est légitime d'être franc-maçon, rosicrucien, homosexuel, c'est leur histoire. Mais une fois qu'il est nommé, c'est là où la franc-maçonnerie vient l'approche et dit, bon voilà, nous te demandons de faire ci, de faire ça. Mais tu vois ce monsieur qui était intègre, qui avait une chemise déchirée, une vieille veste, qu'on vient à peine de nommer, et mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mes amis, c'est pas si je suis encore là. Vous êtes là? Personne ne bouge. Bon. Disons que vous êtes toujours allé. Parce que de temps en temps, ça tilte là. Quand vous voyez certains comportements d'asphyxie du Cameroun, ça vient de loin, c'est planifié. Quand, par exemple, dans une loge maçonnique, on demande à un homme, à un Africain, de trahir son pays, et ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie, c'est beaucoup d'autres sociétés secrètes. Ce monsieur-là, commence à tout de suite. Ne vous en faites pas, hein, c'est un rhume de saison. Et même si je vais mourir, je laisserai quand même quelque chose dans l'histoire du Cameroun que vous, hein, ce monsieur qui écrit là, Corona, ne laissera jamais. Voilà. Donc, voilà comment on met à mal le chef de l'État. Vous voyez quelqu'un qui nomme et tout de suite, cette personne-là commence à travailler pour des sociétés secrètes occidentales. À la fin, vous vous demandez qui prendre. Vous voyez quelqu'un qui est allé à l'université, mais vous ne connaissez pas ses appartenances secrètes. Vous, il a les diplômes requis. Il a toutes les compétences requises. Mais dès que vous le nommez, l'organisation secrète vient frapper à sa porte. C'est ainsi qu'il se met à piller les caisses de l'État. Et le chef de l'État ne peut rien lui faire. Parce que c'est cette organisation-là qui a la justice. C'est cette organisation-là qui... Qui va rappeler le chef de l'État, mais tu te souviens du soutien qu'on t'a apporté à ci ou à ça. Je peux vous citer un ministre nouvellement nommé qui a trahi le chef de l'État. Je ne veux pas citer son nom. Quand la loge, quand la société secrète t'approche, tu dois obéir. C'est en ce moment-là que tu comprends que tu faisais partie d'une pépinière dont on choisira un plan pour une mission bien précise. Et là, tu as déjà donné des gages, tu as été compromis et tu n'as plus moyen de refuser. Parce que tu es compromis jusqu'au cou. Tu penses que cette compromission-là n'est que pour te gêner. Non, ils savent. Ils savent, ils te tiennent.
Ils te tiennent. Et ils tiennent Kamto. Parce que Kamto est dans ces choses-là. C'est pour ça que moi, je dis qu'il livre ses enfants. Jésus a livré le Cameroun. Il dit que le peuple camerounais, dans ce soir, il dit que le peuple camerounais va prendre ses responsabilités. Monsieur Kamto, allez à l'ouest Cameroun. Allez faire prendre le peuple, les responsabilités à votre peuple. À votre peuple là-bas. Parce que je vais vous dire une chose. Ce survie, cette initiative créée par les réseaux officines françaises, cette initiative survie Cameroun, Cameroun Survival, qui est une création des officines françaises et dont l'agenda a été remis à M. Kamto. Ils ont commencé par créer un fonds de collecte de fonds sans base légale, ni internationale, ni nationale. C'est un OVNI. On ne sait pas où c'est domicilié. Parce que, en ce moment, M. Narcisse Ngansop, M. Boris Bertrand se retrouve au Sénégal. Et vous voyez une capture d'écran là qui passe avec 8600 euros de contribution de M. Boris Bertrand à partir du Sénégal. C'est vrai. Les gens qui disent que c'est fait, que ce n'est pas fait, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Boris Bertrand est en ce moment à Calabonne, quelque chose comme ça là. Une ville du sénégalaise. Quoi, c'est Calabonne et quelque chose comme ça. C'est là-bas où M. Boris Bertrand séjourne depuis un certain temps. C'est là-bas où il a fait les virements. C'est là-bas beaucoup d'argent de certains réseaux occidentaux entre à partir du Sénégal. Bon, le Sénégal, moi je veux bien. Macky Sall qui a expulsé Kémi Séba parce qu'il a brûlé un bien de France CFA. J'aimerais aussi que Macky Sall s'occupe de M. Ngansop Narcisse et de Boris Bertrand. Ce voyou, ce brigand, ce leader de cette organisation qui a détruit, saccagé nos ambassades, M. Macky Sall. Mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de Camerounais aussi, des Sénégalais qui sont Camerounais au Cameroun. Il peut avoir une certaine réciprocité, et je prends ça sur moi. Parce que ce que ce Calibro fait dans la base, quel est ce Sénégalais qui vient militer dans les choses? Il y a des problèmes dans la société. Il y a la société civile sénégalaise. Pourquoi il ne va pas militer là-bas? Pourquoi ce n'est que le Cameroun? Parce que c'est des agents formés par la France pour mettre à mal le Cameroun et certains pays africains. Plus principalement le Cameroun. Comment peut-on déclarer le Cameroun défaillant avec 10 morts, 60 guérisons et près de 400 personnes en voie de guérison? Le Cameroun a décidé de fabriquer sa propre chloroquine. Et les résultats sont déjà là. Les gens fabriquent à domicile eux-mêmes leurs masques. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont décidé, toujours les gens originaires de l'Ouest, qui ont décidé de créer des pénuries et qui ont décidé de vendre le masque au prix du jean. Alors les gens se débrouillent au quartier à fabriquer eux-mêmes leurs masques. Et ça marche. Il n'y a pas une zone au Cameroun, on vous dira que ça c'est une zone où sévit gravement l'épidémie du corona. Encore que c'est nous de la diaspora, c'est ces gens-là qu'on a envoyés au Cameroun dans une Boeing Air France, ou je ne sais pas, un Airbus Air France. Je crois quand même qu'il y a un condamné ici, en Europe, toutes les sociétés qui transportent des déchets vers un autre, vers un autre pays. Je crois quand même que le Cameroun et même la société civile camerounaise, si elle existe, si on veut parler de société des Camerounais, le peuple camerounais doit porter plainte contre la France pour avoir transporté des gens malades pour venir les contaminer au Cameroun. Il n'y avait pas de corona au Cameroun. C'est les gens de la diaspora qui sont cachés, qui ont caché leur maladie, qui ont transféré le corona de France vers le Cameroun. Vous voyez toujours ce plan-là, bien dessiné. Une fois que la France avait ficelé ça, cette initiative survivale, cette initiative de Kamto à la Kamto, pour faire concurrence à l'initiative gouvernementale, pourquoi? Parce que Macron avait dit au salon de l'agriculture que ils ont souvent fait tomber les régimes en contournant, en créant des réseaux parallèles. Il a dit ça à M. Calibri. Vous savez quoi, Calibro? Il l'a dit. Et c'est la même technique qu'il veut utiliser au Cameroun
en créant un fonds parallèle, vous allez voir que la France a dit, ils ont même, la France est en récession en ce moment, c'est-à-dire qu'en crise économique déjà, parce que tout est fermé, rien ne marche. Mais c'est cette France-là qui, depuis, met 1 milliard sur la table pour aider les Africains. On n'a pas demandé cet argent. On n'a pas demandé cet argent. Le Sénégal a fait un prêt, en train de faire un prêt auprès du FMI. On n'a pas besoin de cet argent. Donc, ils ont créé cette histoire de survie, cette initiative que Kamto est chargé de vendre auprès des Camerounais pour faire concurrence au peuple, au gouvernement camerounais afin de déclarer Maurice Kamto légitime. Et je vais vous dire, ça c'est une révélation. N'écoutez pas les dons, machin, Richard Bonnat, 5000 euros, ici 8000 euros pour... ça d'ailleurs que c'est même pas l'argent de sa poche de monsieur Berthold et tout. N'écoutez pas ça. Les vrais contributeurs de ce fonds-là sont de l'Ouest. Regardez très bien. Monsieur Kamto lui parle d'une initiative. C'est-à-dire, c'est un bénévolat, c'est un volontarisme généré dans qui naît dans une société. C'est une initiative. Pendant ce temps, monsieur, le créateur du MRC, monsieur Foguet-Alain, parle d'une association. Monsieur Foguet, que monsieur Foguet présente la demande de légalisation de l'association Suivi Cameroun pour lutter contre le coronavirus. La demande d'abord, même antidatée. Et qui dépose donc, et qui présente donc le récépissé de légalisation auprès du gouverneur, soit auprès du gouverneur ou du sous-préfet. Ils n'ont pas. Pourquoi Foguet parle d'association? Parce qu'en réalité, on leur donne un projet dont ils ne sont pas les concepteurs, dont ils ne connaissent pas. L'autre dit ceci, Pendekoka dit ceci, monsieur Foguet dit autre chose, et pendant que monsieur Foguet parle d'association, pendant que l'autre parle d'une initiative, l'une initiative n'a pas besoin de légalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une initiative doit être spontanée. Elle ne doit pas faire l'objet d'une récupération politique ou elle ne doit pas avoir des visées politiques. Et pourtant, vous savez très bien que le MRC a commencé à fabriquer des gels avec son logo apposé dessus. C'est pour ça que je vous dis, la présence médiatique, la surexposition médiatique de M. Kamto vise quelque chose de très simple. Soit tu es le président Paul Biya par ses réseaux, et je pèse mes mots, et se présenter, et puisqu'il est présenté par l'Occident, hein, les mêmes réseaux Marafa, comme celui qui pourra faire l'affaire. Voilà pourquoi il continue à demeurer dans les médias pour, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, celui qui peut être à qui on fera recours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus d'échéance électorale, comme le répétait monsieur le ministre de l'administration territoriale. Il n'y a plus d'échéance électorale. Pourquoi Maurice Kamto, même Cabral Libi, il va maintenant aux occupations de parlementaires, ainsi que M. Paul King et Eric Kingé, qui lutte contre le coronavirus dans sa circonscription de Njombe Pendja. Les gens ont rangé les pancartes, les t-shirts, les tracts. On a mis ça dans les archives de la campagne électorale 2018. Pourquoi Kamto est le seul opposant à être présent? Un, parce qu'il veut créer une insurrection qui, lorsque l'armée ou la police interviendra, l'Occident, ses amis occidentaux, tapis dans l'ombre, interviendront, puisqu'ils sont déjà là tout près. Vous avez vu la quantité d'armes que M. Idriss Déby a saisi entre les mains de Boko Haram? De quoi détruire une capitale? Il a saisi au moins... Au moins 1000 lanceurs-roquettes. Ne parlons même pas des mitraillettes de Kalachnikov. Au moins 5000. C'était pour qui? Destiné à qui? Il faut toujours faire attention. Donc, Idriss Déby, on parle déjà de coup d'état là-bas et de tout. Pourquoi? Parce qu'il a saisi, il a mis la main sur un butin de guerre qui allait servir à la déstabilisation de la sous-région et plus principalement au Cameroun. Je vous ai toujours dit qu'il y a des armes stockées à plusieurs endroits au Cameroun que dans mon même j'ignore.
N'oublions pas qu'il y a des conteneurs pendant la guerre contre le Boko Haram, des conteneurs d'armes qui ont disparu, on ne sait pas où c'est parti, entre le port de Douala. C'est pour ça qu'il était nécessaire de prendre le contrôle du port de Douala. Et c'est ce qui énerve les Français, parce qu'il est devenu difficile pour eux de faire entrer un certain nombre de choses au Cameroun. Ce fonds, cet ovni, moi j'appellerais ça ovni, bidon, cette initiative bidon créée par M. Kamto est financée pas par les dons que vous voyez là, c'est des chiffres gonflés. C'est du n'importe quoi. Les vrais financiers sont les hommes d'affaires de l'Ouest. Cette soi-disant association aux yeux de M. Pindekoka a demandé l'ouverture d'un compte bancaire officiellement à Freeland First Bank. Mais ce compte-là existait déjà. Ce n'est que la forme, cette demande-là n'est que formelle. Mais ce compte-là existe déjà et le directeur d'Africa First Bank a injecté de l'argent dedans. Plus de 100 millions. Et il se demande comment c'est ça. Plus de 100 millions. Moi, j'ai dit que le gouvernement camerounais continue à être plus laxiste. Parce qu'il faut fermer même cette banque. Cette banque, ce monsieur, Paul Focam, qui avait les mains dans la déstabilisation du Burkina Faso, qui a financé, et dans la déstabilisation, dans le soutien de Jean-Ping. Donc, ils ont une banque de déstabilisation, ces gens-là. Et ces gens-là, ont financé Kamto. Pokam ne peut pas discuter que ils ont Kamto. MRC a créé une fausse association en 2017 où toutes les contributions entraient, mais de l'autre côté, cet argent la sortait et c'est cet argent qui finançait Maurice Kamto. Voilà pourquoi Maurice Kamto sortait avec des sacs d'argent. Je vous ai toujours dit, vous avez vu les vidéos. Voilà pourquoi il se baladait avec des sacs d'argent. Parce que l'argent coulait à flot. Mais le MRC n'avait pas un compte bancaire, c'était le MRC avait un compte bancaire sous le couvert d'une association dont j'oublie le nom aujourd'hui, et les fonds ont été collectés dans une banque qu'on trouve pas très loin de Mansel, Mansel Hôtel. J'ai souvent l'habitude de dire Omnisport, c'est exactement là-bas. Comment il faisait? C'est-à-dire, les contributions, je vais par exemple vous donner un petit cas de blanchiment. C'est-à-dire, ça ne laisse pas de traces. Un gars de la diaspora qui a une maison à louer au Cameroun, lorsqu'il voulait financer Kamto, disait au locataire, allez à Mansour de te déposer l'argent avant, du mois ou de deux mois. Où sont les traces? Vous ne pouvez pas. Le financement du MS, vous ne pouvez pas saisir. C'est insaisissable. C'est ainsi que beaucoup de gens ont contribué. On appelle quelqu'un au Cameroun, on donne de l'argent à quelqu'un ici, et la personne défalque l'argent là-bas, on donne ça au MRC, on ne voit aucune transaction bancaire, ni Western Union, ni MoneyGram, ni. Il faut savoir aussi que le machin, l'Express Union et tout, qui couvrait beaucoup de choses. Je l'ai dit, je vous ai dit, j'étais très énervé aujourd'hui, parce que Maurice Kamto, dans son discours de ce soir, a dit que j'ai essayé de mettre à mal son initiative. Bon, M. Kamto, vous avez dit qu'il serait traqué. Parce que j'ai fait deux publications sur M. Kamto, où je dénonçais ce gel que j'ai traité de toxique. En passant, je veux vous dire que moi, j'ai une formation en contrôle de qualité de produits, assisté du système SAP-RP. Ceux qui connaissent, qui ont entendu ça, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle le contrôle de qualité. Et on a appris ça, assisté par ce logiciel-là. C'est le Nestlé utilise ce logiciel. L'allocation du logiciel-là par an coûte 1 200 € par an. Donc, ce n'est pas n'importe quelle société qui a ça. Je crois que Mercedes, ça a BMW, ça. J'ai suivi une formation là-dedans. Donc, je connais la qualité des choses. Je contrôle. Je contrôle. Oh, il est bien monté. Je vais te traiter à la fin. Non, je peux en te traiter tout de suite là. Tout de suite là, voilà. Alors, bye bye.
C'est parfois, je ne parle pas le temps, mais si tu as la malchance que mon œil tombe sur toi, moi, je te traite tout de suite. Donc, j'ai cette formation-là. Est-ce que les produits, les gels du MRC, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ont été homologués par une organisation indépendante, par le ministère de la Santé ou bien le ministère du Commerce? Non. Parce qu'ici en Occident, je parle, même les téléphones portables sont homologués. Il y a un contrôle de la qualité d'un téléphone portable. Est-ce que ça émet trop de radiations? Est-ce que s'il tombe, il peut exploser? Est-ce que s'il a la charge, il peut exploser? Tout ça, on contrôle. On contrôle le contenu des détergents, même les voitures. Même jusqu'à la peinture des voitures, on contrôle la qualité, si elle est toxique. Même les jouets de mes enfants qui jouent avec des jouets, cela, ils ont des jouets qui ont de la peinture dessus. Il faut bien s'assurer que si un enfant, parce que les enfants bouffent, rongent les jouets, il faut bien s'assurer que cette peinture-là n'est pas toxique. Et j'ai étudié à travers le système qu'on appelle Kazens. Kazens, c'est un japonais qui avait travaillé sur la qualité des produits et il a donc créé une méthodologie, il a mis en place une méthodologie pour le contrôle de la qualité. Et il a créé, j'oublie un peu, vous savez, comme je ne suis pas, parce que j'ai quand même travaillé il y a de cela, excusez-moi un peu, j'ai travaillé il y a de cela quelques années dans une société où j'étais dans au service du contrôle de la qualité, quality control. Bon, j'ai un peu oublié le nom de ce poisson-là, mais en tout cas, il y a un poisson comme ça, c'est-à-dire, on parle de brain, de brainstorming, des idées, machin et tout, et puis après ça, des propositions, on sort avec quelque chose qui permet de contrôler la qualité. On contrôle la qualité à partir de la production, de la livraison et de l'accueil chez le client. Comment le client accueille ce produit? C'est pour ça, parfois, que vous voyez un produit, quand il est mis sur le marché, même un parfum, au bout de certains temps, on le retire parce qu'on ne l'achète pas ou les produits piquent dans les narines. Mais moi, c'est fort de ça que j'ai dit que les produits de M. Kamto sont toxiques parce que je n'ai pas vu un label contrôle là-dessus. M. Kamto se permet de dire dans son direct que je mets à mal la collecte des fonds, le travail des trucs et cela. M. Kamto, je sais que vos réseaux avec tous ces réseaux français-là, ils ont la même mise. Ils sont ici en Europe et tout. Vous dites que je serai traqué. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit à cela en décembre 2019, Burkinabé, qui m'avait dit en décembre 2019 que il y a des associations qui se préparent pour me traîner à la CPI. Donc, je vous le dis déjà, s'il m'arrive quelque chose, c'est ce réseau Ouattara Kamto, parce que c'était un Burkinabé qui est proche de la famille Comparo qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, si on sait même que je t'ai dit ça, ces organisations ne seront pas contentes. Pourquoi? Parce que j'ai mis à mal. J'avais un groupe qu'on appelait Résistance contre le néocolonialisme, que dont TV ça avait parlé même d'ailleurs en 2010. Alors je supportais Monsieur le président Gbagbo et il s'en plaisait pas beaucoup à Ouattara. Donc on a vu dans ils sont très très énervés quand même. Moi je démontrais que Ouattara par exemple, j'ai publié des vidéos qui sont partagées aujourd'hui à 15 000 partages. Donc où il est clairement dit que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Donc il m'en veut beaucoup pour ça. Il m'en veut beaucoup pour ça. Vous savez, ces gens-là, c'est pas le débat d'idées, c'est pas les idées, c'est des chasses à l'homme, c'est la répression, c'est voilà tout ce que vous pouvez imaginer de terrorisme, voilà. Donc Monsieur Kamto a dit que je serai traqué en Europe. Allez dire jusqu'à mes derniers retranchements et que on va révéler où j'habite, machin et tout. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un montage sur son truc sur Vival là et j'ai évoqué la loi du 21-003 du 21 juillet 1983, la loi d'ailleurs que le ministre de l'administration territoriale a évoqué après. Moi, je l'ai fait un jour avant et j'ai dit que toute levée de fonds, tout appel à la générosité, n'est-ce pas, doit faire l'objet d'une autorisation. Mais l'initiative de Kamto, elle a fait l'objet de quelle autorisation? Monsieur Pendé Koka est le directeur de ce machin-là. Monsieur Fogué parle d'une association. Où est le récépissé? De ce soir, Monsieur Kamto dit que le machin-là, ce fonds-là n'a pas besoin de légalisation parce que c'est dans l'urgence.
C'est humanitaire, même dans l'humanitaire, Médecins sans frontières qui finance les Amazoniens, qui soigne les Amazoniens là, a une autorisation d'entrer au Cameroun et même ici en Occident. Hein. Les ONG Human Rights Watch ont une association, il ne faut pas fonctionner à la clandestinité, M. Kamto. Déposez votre truc et on verra si vous serez légalisé, déposez votre demande. Pas moi, M. Kamto. Donc, moi je vais vous dire, il y avait en 2018 hein, un monsieur qui travaillait dans le QG de M. Kamto qui m'avait clairement dit de ne pas aller au Cameroun en 2018. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce qu'il il y a des menaces sur ma personne. J'ai réussi à faire savoir que l'OMS est un parti de l'Ouest. Hein, c'est un parti cantonal à l'Ouest, c'est un parti tribaliste, xénophobe. Et la campagne de Kamto a du mal à démarrer, ils ont du mal à gommer cette idée-là qui est passée dans la conscience collective camerounaise. Il me l'a dit, je lui ai dit que, mais, il m'a dit que ce qui a été dit là, c'est très sérieux, prends ça comme ça, je ne parle pas n'importe comment. Bon, j'ai pris acte de ça. Donc, je sais que les Kamtoïstes veulent ma mort, d'ailleurs, ils me le disent ouvertement. Il y a ceux même qui disent qu'ils vont aller aux femmes là, dans ceux qui vont faire des affaires mystiques et tout. Il y a ceux qui me menacent carrément de moi, il y a ceux qui me disent qu'ils ne veulent pas atteindre décembre 2018. Tout le monde dit des choses, hein. Mais quelqu'un m'avait dit clairement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être je vais trahir l'amitié avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit. Il s'agit, parce qu'il ne parle pas, depuis il ne parle pas, bon moi je dis qu'il va parler, il va dire ça lui-même, mais il ne le dit pas, il survole toujours, dit toujours qu'il va, il y aura une autre sortie, après une sortie, il y aura une autre sortie, mais il s'agit du grand frère Paul Eric Kingé, que moi j'ai soutenu avec la purée de Mbanga, avec, à l'époque même, hein, avec, parce que à l'époque, en 2008, parce que pour moi il était inconcevable qu'une société française vienne jeter en prison un frère camerounais. Et donc, pour moi, un résistant contre le néocolonialisme et nationaliste, j'ai passé le temps à faire des publications sur Paul Eric Kingé durant toute son incarcération, de 2008 à 2015, quand il a été libéré. Et quand il est sorti, bon, je publiais toujours sur lui. Bon, le grand problème de Paul Eric Kingé, moi, je vais vous dire, le problème, c'est que, tel qu'il m'avait confié, c'est que il n'avait pas été bien traité par le RDPC ni pendant son incarcération, ni après sa sortie de prison. Alors, je lui ai dit, bon, pour embêter ses amis du RDP, ses anciens amis, donc, il est donc allé se jeter dans les bras du MRC. Donc, bon, moi, je lui avais dit, mais grand frère, toi, moi, je vous dis, depuis ce parti-là est dangereux, ces gens-là, c'est des gens intolérants, c'est des tribalistes, mais comment se fait-il que, bon, à l'époque, il ne répondait pas, il me dit, ton billard, et tout, bon, vous voyez, il a changé de discours. Et je vais vous dire comment il a changé de discours, pourquoi il a changé de discours. Et il a compris un certain nombre de choses, et il sait la réalité. Donc, je dis, je vais trahir une certaine amitié parce que beaucoup de gens ne savent pas que Paul Eric Kingé, c'était quelqu'un que je soutenais beaucoup. Et c'est pour ça que je partage. Vous voyez très bien, quand il était en prison, je ne l'attaquais jamais parce que ça me faisait très mal de le voir encore dans cette situation. Son enfant était mort. Il n'a même pas pu rendre visite. Il n'a même pas pu aller à l'enterrement. Donc, quand il sort, ses amis du RDPC, vraiment ne l'encadrent pas, n'essaie même pas de le mettre dans des conditions où, bon, oui, voilà, tu as payé même quoi? Un occidental qui vient mettre une entreprise, un occidental qui vient mettre quelqu'un en prison parce qu'il a osé demander à cette entreprise de payer les impôts à Pendja et non à on appelle ça quoi, à Mbanga. Donc, voilà ce qui fait que, monsieur Paul Eric Kingé se retrouve en prison pour avoir demandé le paiement des impôts et même ces impôts-là n'étaient pas vraiment payés. C'était des arrangements. Donc, voilà. Paul Eric Kingé, moi, je lui ai dit, franchement, tu sais, moi, je ne te t'en veux pas. Il peut même sortir un voice. Hein. Je lui ai fait un voice. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu sais, tu es toujours soutenu. Mais tu t'es égaré. C'est pour ça que je t'attaquais souvent. Et je t'attaquais dans une certaine limite. Et même quand tu allais en prison, je ne t'attaquais même plus. Parce que pour moi, ça me faisait très mal. Toutes ces années-là de souffrance, 8 ans de prison, maintenant tu vas encore en prison. Pourquoi? Pour qui? Pour quelle raison? Voilà donc comment Paul Eric Kingé, un jour, me dit. Et ça, c'est pour ça qu'il dit qu'il veut trahir une exclusivité, une amitié. Il dit que quand Maurice Kamto se déclare candidat, je veux que le gouvernement camerounais le sache, quand il se déclare, il s'auto-proclame vainqueur le 8 octobre 2018.
Il n'avait même pas 1000 PV en ce moment. Grand frère pour Eric King, tu m'écoutes, pardonne-moi, mais ça devient, ça va un peu dans tous les sens là avec ce canto. Et je t'ai laissé l'exclusivité, tu as d'autres choses à dire encore, mais là, il faut que le peuple camerounais sache que de près ou de loin, M. Canto n'a jamais gagné, même dans ses rêves, l'élection présidentielle de 2018. Quand il s'auto-proclame, quand il parle du hold-up, le grand frère pour qui j'ai du respect, cette bête politique que Paul Eric Nguema m'avait dit. En tout et pour tout, le MRC n'avait que 6000 PV. 6000. Prenez bien ça. Si Facebook ne coupe pas mon direct, entendez bien ça dans vos oreilles. Allez demander ça au grand frère Paul Eric Nguema. Il n'avait que 6000 PV. Je lui ai dit que, mais pourquoi tout ça, tout là, il dit que Maïs était dans la stratégie. Pourquoi le truc de hold-up, tout ça, pourquoi? Il me dit que c'est la stratégie. Il fallait faire tomber le président de la République. Bon, c'est tout à fait normal pour un parti politique de concourir, de se battre, de concourir au pouvoir, d'aller à la conquête du pouvoir. Mais, quand même, pendant 2 ans, on supporte, on ne dit rien, on dit oh, 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 mais grand frère politique, mais il ne dit rien. Il dit 6000 PV, 6000. Kabra Libi parle, qu'il dit qu'il avait 13 000. Donc ça veut dire que Kabra Libi avait plus de PV que le MRC de Kamto. Si je mens, ma mère est décédée. Que Dieu me foudroie. Si monsieur, le grand frère Paul Eric Nguema, ne m'a jamais dit ça. J'ai dit, il me l'a dit. J'ai dit, grand frère, il faut assurer ta sécurité. Hein. Il faut assurer ta sécurité. Parce que si on sait que tu vas dire quelque chose comme ça un jour, peut arriver quelque chose n'est pas très bien. Bon, moi aussi, je m'interroge. Parce que quand M. Campe dit que je serai traqué parce que j'ai dénoncé ces gels estampillés, MRC, j'ai fait des croix sur son affiche d'appel au don, au fond, et quand je sais que c'est les hommes d'affaires de l'Ouest, Cameroun, donc monsieur le directeur, le responsable, le propriétaire d'Afrique, la First Bank, a mis de l'argent dedans, dans un compte qui a été ouvert dans ses livres, dans les livres de sa banque. Tu as bien mis de l'argent dedans. C'est quoi ça? Tu as bien crédité ce fonds-là d'un certain montant. Et c'est la rigolade ou quoi? C'est un foutage de gueule du peuple camerounais. Après, le but, c'est quoi? De faire concurrence à l'État camerounais. Et puis, le jour où les résultats, la cagnotte de ce dons sera proclamée, vous entendrez 5 milliards. Et c'est vraiment 5 milliards. Et maintenant, il sera question de savoir comment l'État camerounais va chercher à interdire à une organisation, à une initiative de distribuer 5 milliards au peuple camerounais. Tout de suite, on va créer une impopularité du gouvernement. C'est ça le but. Et les donateurs sont des gros donateurs. Ils sont internationaux, ils sont nationaux. Comment monsieur Paul Pocan peut se retrouver lui-même en train d'alimenter ce compte-là? C'est chez lui qu'on a ouvert ce compte, non? L'association en 2018, c'était toujours dans sa banque. Afrique la First Bank. Le grand frère John Bielberg, on vous parlait toujours de cette banque-là. Vous pensez que c'est des blagues. Mais comme cette banque-là a été ouverte et soutenue par certains pontes du régime, tout l'argent, tout ce qui est des prisonniers politiques, les prisonniers de l'US que vous connaissez, c'était là-bas. C'est pour ça qu'elle a monté en puissance. D'ailleurs, même un de ses directeurs est devenu ministre. Ça peut vous dédire. C'est dire quelle est la puissance de cette banque-là. Ils peuvent me tuer du jour au lendemain. Mais... Et je vous l'ai dit, vous devez savoir, je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai porté aujourd'hui ce truc, c'est privé, parce qu'on porte ça ici. Je ne suis pas militaire, que l'armée camerounaise me pardonne, que tous les soldats camerounais, que je ne sois pas confondu à un soldat, je tiens toujours à le rappeler. Mais c'est parce que je suis très énervé. Et je porte ce vêtement quand je suis énervé. Parce que pour moi, c'est un état de guerre. Monsieur Kamto
a déclaré la guerre contre le Cameroun. Comme il y a certaines personnes qui sont en train de caresser, c'est pas si. Vraiment, moi, je m'interroge souvent sur la façon de faire souvent du RDPC. Hein. Franchement, nos aînés là sont souvent parfois d'une désinvolture, parfois même d'une arrogance, quoi. On dit, ah, lui, c'est qui et tout. Et ça pousse les gens parfois à aller s'allier avec le diable. Aller partiser avec le diable. Le cas du grand frère Paul Éric Kingé. Si les responsables du RDPC, ses amis d'hier, avait essayé de le comprendre, de lui dire, bon voilà, oui, tu as souffert, voilà. Encore que personne n'allait nous rendre visite en prison. Moi, j'ai publié tout ça, tout le truc. À l'époque, il y avait plus une diable qui était encore en vie, la pilule de Mbanga. J'ai publié toutes les publications, toutes ces publications sur Paul Éric Kingé. Mais le grand frère Paul Éric Kingé, je le dis, je le répète à toutes les 600 personnes, 630 personnes qui me regardent, Paul Éric Kingé m'a confié que nous n'avions pas, au 8 octobre 2018, nous n'avions même pas encore 1000 PV, pardon. Nous n'avions même pas 1000 PV à eux. Mais vous êtes déclaré élu. Il me dit que c'était la stratégie, c'était pour court-circuiter. C'est pour ça que vous l'entendez dire qu'il a un problème de conscience. Suivez sa dernière interview. Et même les autres. Entendez bien ce mot, conscience. J'ai dit que mais, le peuple camerounais a déjà trop souffert. Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez mourir avec ce secret-là. Et votre conscience vous jugera même là-haut. Même pour le bien du peuple camerounais, il faut dire la vérité. J'appelle le peuple camerounais, le gouvernement camerounais, à approcher Paul Éric Kingé. Parce que sa popularité, qui a fait, mais c'est un monsieur populaire. Moi, peut-être, ils vont me tuer. Ils vont me faire ci, mais il faut que vous sachiez. Vous rencontrez quelqu'un en route, il est cantoniste, tu ne sais pas. Ah, c'est toi, Patrick Mbala. Oui, c'est moi. Idiot, ta mère, le cul de ta mère, chien, sardinard. Ah, oh. Bon, voilà le comportement des gens comme ça. Tu n'as pas quelqu'un hein, dans une gare. Ah, bonjour, c'est vous, mais oui. Idiot, chien, sardinard, le cul de ta mère. Voilà le comportement des gens. J'ai dit au grand frère. Pour les Kingé, il dit que mais quand tu vois ces comportements-là, ils m'ont mis des tribalistes. Moi, quand moi je parlais de la culture Bamileke, de la sculpture Bamileke, l'architecture Bamileke, des vêtements Bamileke, parce que c'est une culture qui est extrêmement riche de ce côté-là, de ce côté culturel, c'est vraiment riche. L'habillement, la danse. On ne m'étonnait pas de tribalisme. J'ai tout un album consacré à la culture africaine. Et quand je parlais du Mali, je parlais du Cameroun, je parlais du Mvet, je parlais du Ngundu, je parlais de Mbombo, je parlais de l'écriture du Sultan Joya, je parlais de notre culture vendée. Il fallait voir comment les Camtoïs, tous ces talibans-là venaient m'acclamer. Donc ils voulaient me se servir. Pour eux, j'étais un faire-valoir. Donc, il fallait que je ne parle jamais de politique. Il fallait toujours que je parle de culture simplement. Mais le problème, c'est que moi, j'ai commencé à avertir aux gens. Parce que je commençais à voir leur comportement à partir du moment où, quand ils appelaient François Hollande à venir intervenir militairement au Cameroun pour faire tomber le président Paul Biya, j'ai dit simplement, j'ai écrit, que c'est quand même étonnant que les enfants de ceux qu'on a gazés, les descendants de ceux qu'on a gazés, on appelle le bourreau aujourd'hui à la rescousse. C'est quand même étonnant, vos parents doivent se retourner dans leur tombe. Tout de suite, le divorce a commencé avec mes frères Bamileke. Idiot, on ne savait pas que tu étais comme ça, machin. Donc je ne dois pas dire la vérité. Parce que c'est des gens qui aiment que toi tu sois eux, mais eux ne peuvent pas être toi. C'est des gens assimilationnistes. Conquérants, dominants, colonialistes. Ils arrivent chez vous, ils occupent tout, ils achètent tout, ils à vil prix. Ils vous font croire que ça ne vaut rien, ils sont là. Dès qu'ils voient seulement une autoroute qui va passer quelque part, voilà pourquoi ils sont toujours à la planification, au ministère des Travaux publics. Ils savent où on va créer un stade, on va construire un stade, on va construire une route. Ils vont acheter 10 ans à l'avance. Mais parfois, les populations se demandent que mais dans cette forêt, c'est les gens qui se débarquent avec l'argent, c'est pour faire quoi avec. On les donne le terrain, 500 francs le mètre carré. Mais vous ne savez pas ce qui vient après.
Après, ce même terrain est vendu à 50 000 à l'État le mètre carré. Un terrain acheté à 500 francs le mètre carré. Et si tu le dénonces, tu passes pour un homme tribaliste. Quand tu dis que les salaires du Cameroun sont contrôlés par des gens originaires de l'Ouest, tu es tribaliste. Et pourtant, ils sont là. Ils injectent des noms, près de 10 000 noms, des faux noms, des ci, des ça. Dès que tu parles de ça, tu es tribaliste. Après, on voit un pays qui fonctionne comme un panier percé, une économie qui fonctionne comme un panier percé. Il y a les recettes de l'État en amont, en fin d'exercice, on n'a plus rien, tout est vide. On a passé le temps à pomper les richesses de l'État, pomper. Vous voyez des virements bancaires, vous voyez quelqu'un, on vous dit des marchés fictifs. Il passe un marché fictif à 10h, à 14h, on a déjà payé 100 milliards, 100 millions. Et nous sommes ici à l'étranger, il y a le foie qui nous tape. Quand tu veux dénoncer ça, moi je dénonce à Tanganapuna, mais bongo. Mais mes frères, parce que moi je ne suis pas boulou. Même si une partie des Yambassa sont bêtis, par exemple les SE, sont parentés au Yambassa, les SLE. Et c'est le même ancêtre, ceux qui ne savent pas. Hein? Tous ceux qui sont là, les Nzana, tout ça, c'est ça, c'est la lignée. Mais jamais je n'ai été traité de tribaliste parce que mes frères du Sud savent que c'est vrai. Et même ils souffrent, allez, ils ont été chez Mbongo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez au Sud, du côté de Mvengue. Allez en Gomedzap. Allez à Lolodo, vous allez voir la souffrance là-bas, allez à Makribi. Vous allez voir la souffrance là-bas, il n'y a pas de route. On prend une moto à 10 000, une moto à 10 000 pour aller te déposer pour faire à peu près 50 km. Vous tombez en route. Vous vous embourbez. C'est pour ce que le Achille Ateba, il nous parlait, appelait le paradoxe du pays organisateur. Ce qu'il faut aussi que je regarde, là, il y a d'autres qui vont lancer leur direct. Excusez-moi. C'est ce qu'il appelait le paradoxe des pays organisateurs parce que comment on peut avoir toute cette élite-là au pouvoir, mais le peuple n'a rien, le sud n'a rien, le centre n'a rien, et qui est... Nous dénonçons tout ça au-delà des clivages politiques, mais dès que... Et politique et ethnique. Mais dès que tu touches en gagne du Messie, ou bien à celui de Congel Kang qui avait était financé par un certain Ababa, dont il était le prête-nom. Tout ce qui est un homme Ababa, tu tribalises au jaloux, chien, ta mère pond. Idiot, le cul de ta mère. Je vais vous dire tout ça comme ça, parce que parfois, on se demande où il sort. Aucun argument. Rien, aucun argument, on n'argumente pas. Ce ne sont que les insultes. C'est pour ça que dès quand la politique qui les hémicycle, les débats télé, les QG des partis politiques pour se retrouver sur les comptoirs de Mbopi, sur les sièges de Ben Sikina, et ce n'est pas une insulte. Mais il faut quand même suivre une formation politique. Il faut suivre une formation politique. J'ai demandé au grand frère politique, tu allais faire quoi là-bas? Mais franchement, des gens qui n'ont aucun, ils regrettent amèrement. Écoutez bien le mot de Paul Eric King. Quand il dit que tu allais faire, qu'est-ce que tu t'allais faire là-bas? Il m'avait répondu. Et il m'a dit, il faut t'approcher du cabinet pour sentir l'odeur. Écoutez sa dernière interview. Tiens, ça m'a fait rigoler quand il a dit ça. Parce qu'il m'avait dit ça. Alors je lui ai dit, bon, quand les gens sont MRC, vous voyez, allez sur ma page. Il y a par exemple une publication que j'ai remis au bout du jour là, la semaine passée, où il y a une souris comme ça où j'ai dit et dont le président, le chef de l'État a lutté contre les bandits à col blanc. Là dedans vous allez voir le grand frère Paul Eric King venait, il y a son commentaire là-dedans et il tape sur moi, mais moi je n'osais pas taper sur lui parce que avec tout le respect, le droit d'Inès, de tout ce qu'il avait fait pour lui, me mettre à détruire ce que j'ai construit. Ah, je disais que ah, vraiment, le grand frère, s'il veut me mettre en difficulté, là, il veut me faire sortir de mes gonds, mais franchement, je ne veux pas parler d'une certaine manière comme ça. Et à chaque fois, il vient, il me taque, il me provoque et tout. Quand il est en prison, quand il est sorti, moi, je lui ai pardonné, mais
Taliban. C'est moi qui crée Taliban. Le 23 avril 2019, quand ces bandits de la base là attaquent Nyangon à Paris et font arrêter son conseiller. C'est là où je les appelle les talibans. Le 23 avril, je ne peux jamais oublier ça. Et après, j'ai fait une photo, montage avec Patrick Ngana là-bas, comme ça, j'ai dit le chef taliban. Et c'est le grand frère Paul Eric Inge qui a popularisé ça. Tout le monde, même en région anglophone où on parle anglais, on appelle taliban. Et ils m'en veulent énormément pour ça. Et c'est comme j'ai réussi à mettre à mal leur affaire de dons, leur affaire de fonds machin là et tout, leur bricole là et tout, leur société écran là qu'ils appellent suivi machin pour lutter contre le coronavirus. Moi, je sais comment attaquer. Je travaille pour les sociétés internet. Donc, moi, je suis essentiellement dans le virtuel. On ne me voit même pas. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont me dire lui c'est qui, il habite où, il est comment, vous ne pouvez pas me voir. Après moi, j'ai toujours travaillé dans le virtuel. Donc, je connais le réseautage. Je peux t'attaquer virtuellement, je te casse, je te bois, je ne te touche pas. Puisqu'on le fait ça dans le virtuel, il y a des commandes qui viennent, j'annule une commande, la supprime, je vais prendre le bon de commande là-bas, j'ajoute ici, là. Et voilà, avec le système SAP et tout ça, j'ai été formé à ça. Je ne fais pas ça par hasard. C'est pour ça que j'ai toujours un angle d'attaque. Quand je frappe, je ne rate jamais. Je ne rate jamais mes cibles. C'est pour ça que vous voyez mes articles, mes choses partagées partout dans le monde. Parce que je prends le temps de contrôler, d'étudier quelque chose. Et quand je frappe, je ne rate pas. À part même ça, même quand je dénonce, même la crise anglophone, quand je parle de la crise anglophone, je vous ai dit, Fondis, vous êtes dans l'erreur. Je leur ai dit ça. La deuxième phase, j'ai dit au gouvernement, il faut essayer d'arranger l'affaire là. Le gouvernement, le président a essayé d'arranger. Mais comme il y avait un agenda caché, les choses se sont envenimées, ça ne s'est pas arrêté. C'est pour ça que l'agenda caché de Maurice Kamto obéit exactement à l'agenda de la crise anglophone. C'est du non-stop. Tant que Maurice Kamto ne verra pas le Cameroun à feu et à sang, d'ailleurs qu'il ne sait même pas où il se cache maintenant, il n'arrive plus à faire un direct. Tant qu'il ne verra pas le Cameroun à feu et à sang avec le pacte qu'il a signé, il ne s'arrêtera pas. Donc, moi, je vous dis, et je voudrais me résumer, l'opération survie, machin, de lutte contre de MRC, de lutte contre la pandémie coronavirus, est quelque chose de ficelé, est une conception des réseaux français. Et je vais publier la lettre. Elle a pour but de faire concurrence au fond du gouvernement camerounais, de l'État camerounais. Elle a pour but de court-circuiter l'État camerounais et de placer M. Kamto, qui leur a donné certains gages pour son accession au pouvoir, en contrepartie de son accession au pouvoir, il leur a donné des gages en termes de signature de contrats pétroliers miniers. Voilà pourquoi la France aujourd'hui, c'est un réseau français qui savent très bien que Maurice Kamto n'a pas gagné. Mais comme aujourd'hui, il leur a donné les gages, voilà pourquoi ils sont derrière lui. Mais s'ils avaient signé ce contrat-là depuis, s'ils avaient signé ces accords, ces lettres d'intention avant, je suis en train de traiter quelqu'un là, Il aurait été soutenu dès 2018. C'est pour ça qu'on ne le soutient pas en 2018. Quand il fait ses voyages, des coups de fil à Addis Abeba, parce qu'il ne va pas déposer les PV là-bas, parce qu'il n'en a pas. Il n'avait que 6 000. J'ai trahi quelque chose, mais parce que ça en est trop. Ça dit que des échanges privés avec le grand frère pour les Rikingé. Donc, Maurice Kamto, aujourd'hui, on veut le faire passer pour quelqu'un de légitime. Maurice Kamto, soutenu par l'Occident, par certains réseaux occidentaux qui m'en veulent aujourd'hui, qui veulent m'assassiner, puisqu'il le dit dans son live que je serai traqué. On se connaît, M. Kamto. Quand je parlais de ses problèmes visuels, M. Kamto a voulu se faire opérer en France. Ça n'a pas marché parce qu'on a dit que de par son âge, ça ne peut pas, ça ne va rien apporter. Parce qu'il confond la couleur bleue à la couleur rouge, parfois la couleur rouge à la couleur jaune.
Et j'ai donc dit, puisqu'ils surfent sur la rumeur du président de la République, nous allons sortir toutes les casseroles. Parce que quand même, le secret médical, la santé, peut-être c'est pour ça qu'il va m'attaquer. Mais on a traité la première, on traite la première dame tous les jours de femme de la rue. Une femme qui est mariée depuis plus de 20 ans avec un monsieur. Parce que le président de la République, on continue à la traiter de... Vos femmes, nos femmes, vous pouvez savoir qu'elles ont fait ça dans leur vie avant. Tous les jours, on vous sort quelque chose, fake news. C'est fake news de la mort du chef de l'État. Le chef de l'État, le président Kamto le sait, il le dit que le président Kamto va faire, le président Son Excellence lui a fait une sortie pour apparaître comme un messie. Parce qu'il sait qu'il n'est pas mort. Mais il a dit que le président, il a sommé, donné un ultimatum, de donner un signe de vie. Au cours de cet ultimatum-là, il avait été prévu des semaines avant que la première dame sortira pour soutenir les Camerounais dans la lutte contre le coronavirus. Mais ils ont mis ça de côté parce que Kamto et ses talibans auraient dit que c'est à cause de l'ultimatum de l'imposteur Kamto qu'on sort la première dame pour venir faire la représentation parce que son époux n'est plus. Donc ils ont dit non, elle ne sort plus. Si je mens, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne sais plus ce que le président de la République passait là-bas, c'est quand même des choses d'État, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu, mais lui aussi avait prévu quelque chose. Il avait une démarche. Mais comme les réseaux de déstabilisation avaient vu que c'était une aubaine pour le faire tomber, ils ont lancé directement leur pion, Kamto, appuyé par sa basse, ce garde de Kamwa la Panthère, ce mangeur d'excréments humains. Ils l'ont mis en jeu, ils l'ont mis en route en déclarant dans les réseaux sociaux, en annonçant le faux décès du chef de l'État. Et pourtant, Kamto sait qu'il est vivant. Ça n'a pas fini, ils ont dit qu'il y a des bruits de bottes au quartier général, alors qu'il n'en était rien. L'armée française, c'est vrai que c'est planifié, mais l'armée française, le dernier passage de l'armée française au Cameroun, c'était en 2013. Et même quand ça s'est même mis à eu de certains transports de matériel de logistique vers la Centrafrique, ou bien l'opération Barkhane, cela s'est fait sous escorte. C'est contrôlé. On va prendre des vidéos du 5 décembre 2013. Pour venir faire croire aux Camerounais comme quoi, voilà l'armée française à Yaoundé. Vous reconnaissez bien Bankomo, mais à l'endroit où ces armées-là se trouvent en Bankomo, il y a déjà des baptistes. Les maires, le maire, ce maire a construit des boutiques là-bas à Loué. J'ai publié la vidéo. Donc, mes chers amis, nous sommes dans une phase de déstabilisation, la dernière phase de déstabilisation totale de notre pays. Faisons très attention. Prenez Les informations, toutes les je suis en train de traiter quelques dossiers là des insulteurs. Prenez les déclarations, les informations de toutes ces bandes. Retournez-les à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Et vous comprendrez toujours la vérité. Si on vous annonce la mort, c'est simple de comprendre un fake news. Un fake news vous cache la vérité. Vous monopolise le débat. Vous envoie vers une direction. Si vous envoie dans cette direction, prenez l'autre direction et vous comprendrez la vérité. Ça, c'est le petit secret que je peux vous donner pour comprendre les fake news. Et ils jouent toujours sur l'émotion. Oh, il y a un policier qui a coupé le ventre d'une maman à Douala. Et regardez très bien ça à Douala pour pousser le Douala à se rebeller. Oh, vous voyez même quand Maurice Kamto, il s'habille toujours en Gandoura. C'est pour faire les yeux doux aux gens du Nord. Mais les gens du Nord n'aiment pas les gens de l'Ouest. C'est connu à Léonard. Il a fait combien de pourcents là-bas? Rien, zéro. Cabral Libia a fait mieux. Le voilà qui est député. Donc, quand on dit ça, on essaie de décoder un certain nombre de choses. Tout ce dont on vous promet la mort. Maurice Kamto a dit qu'il va me traquer. Ah ben moi j'attends. Mais je peux déjà dire à Maurice Kamto que moi j'ai un certificat, un diplôme de contrôle de qualité. Vos gènes ne sont pas homologués. Et vos comptes bancaires de ce machin survie de trucs contre le corona,
est alimenté essentiellement par des hommes d'affaires de l'Ouest. Voilà. Et puisque vous dites que vous allez, je vais lui vendre quelque chose, que la police allemande, la police européenne, patati patata, j'ai un casier judiciaire vierge. La seule fois que j'ai eu affaire à la justice, c'était même pas la justice, c'est parce que je roulais trop vite. Donc j'ai été flashé. Et c'était ma combien? On demandait de rouler à 90. On demandait de rouler à 60 à l'heure. Il y avait un chantier à cet endroit. Le chantier a été déménagé, c'est-à-dire que les travaux sont finis, mais ils ont gardé le réglage de l'auteur du radar à 60. Moi, connaissant la route, cette autoroute, je sais que c'est à un pont. À l'entrée de ce pont-là, c'est 100, 90. Alors, j'ai dit, ah ben voilà, on peut rouler enfin librement avec tous ces obstacles qui sont là et tout pour diminuer, ralentir et baliser, tous ces balises pour baliser le chantier. Ah ben maintenant on est libre. Paf, le flash est sorti. Voilà mon seul truc. Et puis j'ai essayé d'attaquer cette décision-là. Ils me disent, oui, même si le radar n'avait pas encore été actualisé, oui, il fallait respecter les plaques qui étaient là. Bon, moi j'ai payé l'amende que j'ai payé et puis ce qui était derrière parce que j'ai vu que je ne peux pas gagner. C'est tout. J'ai un casier judiciaire, je ne sais pas dans vos affaires compliquées là, des FEMANIA, des cartes bancaires, fausses cartes bancaires, comme nos frères de l'Ouest la font ici, parce que c'est toujours eux, la FEMANIA, c'est toujours eux. Regardez les gens qu'on a rapatriés là-bas. C'est toujours eux. La BAS vient ici en Allemagne, ils viennent tenir un meeting ici là, en Allemagne, une réunion. Ils payent les hôtels avec des fausses cartes bancaires. Des fausses cartes bancaires, des fausses cartes bleues. Et dès qu'on va te demander, c'est toujours les mêmes, hein, et on va dire que tu es tribaliste. Et ils ont payé, même ils disent souvent ça. Ils demandaient à eux s'ils se dénoncent souvent entre eux-là. Donc, mes chers amis, je remercie pour ceux qui ont décalé leur live. Restez vigilants. Monsieur Kanto a fait sortir une sortie ce soir. Comme quoi, c'est lui qui mène maintenant les opérations, qui dirige les opérations de lutte contre le coronavirus dans un état qui est debout. Donc, les réseaux français ont déjà déclaré défaillant. Le Cameroun a débloqué l'argent, 1 milliard. Le gouvernement ne parle même pas des contributions. Hein. Donc, personne ne se plaint. Et chacun se débrouille à son niveau. Qu'est-ce que le gouvernement français fait pour la France? Voilà la France qui est en récession. Pour le citoyen français, les gens se débrouillent. C'est le gouvernement français qui vient enterrer les gens chez eux, qui vient enterrer les morts, ou bien le gouvernement italien. Chacun se débrouille. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique où les gens viennent donner les leçons, où les gens viennent exposer leur humanisme universel? Pourquoi ce n'est qu'en Afrique? Voilà l'Italie. Les Italiens ont décroché le drapeau de l'Union Européenne parce qu'aucun pays européen à part la Chine, est venu à la rescousse. Seule la Russie et la Chine sont venus à la rescousse de la Chine pour lutter contre la pandémie. Hein? Donc, vous voyez des gens, ce n'est qu'en Afrique où c'est le terreau de le champ libre, quoi, où on est tout permis, on dit on vient de donner une aide. Si le citoyen même français, en tant que moi qui souffre ici, là, on a déposé d'euros pour l'Afrique, on ne vous a rien demandé. On a nos écorces, on mange, ça nous aide. Hein? Vous allez venir me contaminer sûrement du coronavirus pour me tuer, parce que vous dites que vous allez me traquer. Mais j'ai eu vent de ça depuis, j'ai eu du vent de ça tout le temps. Donc, ça en est un peu trop, et il faut dire un certain nombre de vérités, puisque quand on a donné un certain nombre de gages aux entreprises occidentales, françaises, le retour de Bolloré au port de Douala, au terminal à conteneurs, voilà pourquoi il est soutenu, et il cherche à court-circuiter l'État. Aujourd'hui, si le Cameroun, l'État camerounais continue à le laisser, bon voilà, on va voir ce que ça va arriver, il y aura deux présidents au Cameroun, un clandestin qui est Maurice Kamto et un investi par les armoiries de l'État qui porte les armoiries de l'État et investi par le peuple camerounais parce que le président Paul Biya a gagné. Maurice Kamto n'avait que 6000 PV et je tiens ça du grand frère Paul-Éric Kingé. Hein, grand frère, c'est vrai, j'ai travaillé quelque chose, mais tu as encore beaucoup d'autres choses à dire dans les médias. C'est pas, me regarde pas, je ne connais pas, tu n'as pas voulu d'ouvrir là-dedans, mais tu sais très bien que moi, je t'ai jamais voulu du mal.
Je suis assez tranquille. J'ai dit, je me bats pour le Cameroun. Je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas du MRC, je ne suis pas de l'UNDP, je ne suis pas du SDF. Je suis un nationaliste. Simplement un nationaliste qui est toujours là pour se battre pour un certain nombre de causes. C'est ainsi que vous m'avez vu faire des publications sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur la Libye, sur le Gabon. Quand je vois qu'il y a un complot contre le pays, quand un pays africain, je suis là, j'ai un groupe qui a 140 000 membres. Voilà, c'est un groupe panafricain, ce n'est pas un groupe camerounais. Hein? Mais depuis 2012, je mets en garde les gens contre la dérive tribaliste, contre Patrick Gana, qui avait écrit « Je suis Bamileke », c'était un livre, le titre d'un livre. Il a écrit un autre, « La saison des prunes », où il expose carrément son idéologie ethno-fasciste. Le Bami Power que vous voyez aujourd'hui, le Bami Power existe depuis 2008. Hein. Si vous découvrez ça aujourd'hui, si comme moi je vois mon frère Armand Willy parler des Ekan Power, mais le Bami Power existe depuis. Ceux qui disent que c'est les Ekan Power, qui disent que c'est Ekan Power qui précède le Bami Power, non, c'est le Bami Power qui a été créé en 2007. Dans les années de 2007, depuis, c'est même quelque chose qui existe depuis 2009. Mais moi, j'ai commencé, j'ai lu le Bami Power pour la première fois en 2007. C'était les Bamileke des États-Unis qui lançaient ça. Et c'est là où j'ai lu pour la première fois le Bami. C'est pas les Ekan Power. Ekan Power vient d'arriver. Ceux qui disent que Ekan Power est venu et on a copié, non, c'est faux. C'est Bami Power, c'est leur idée ethno-fasciste, tribaliste. Conquérant, dominant, hein, expansionniste là, qui est fait le Bami Power. Il tape la main comme ça, le Bami Power. Allez, on vient, on achète ton terrain en te trompant. La nuit, on déplace les bornes, on coupe la mesure. C'est tous les trafics que vous voyez. Une sorte de chocolat de 5 litres, on ajoute, on coupe en deux, on mélange avec l'huile d'arachide. Ici, ça fait 2 seaux. On divise un sac d'arachide, un sac de riz, et on vous vend au même prix. C'est ça le Bami Power. Après, on s'enrichit. Et comme ils disent souvent, c'est avec l'huile de porc qu'on le frit souvent. C'est avec l'huile de porc qu'on frit le porc. Donc c'est avec votre argent, avec votre terrain, qu'on vient aujourd'hui pour essayer de vous dominer. Pour vous mettre sous la botte, avec l'appui de l'Occident. Parce que c'est clair, il y a des gens qui m'ont dit de me taire, j'aurai ma part après. Je leur ai dit que ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Ce que j'ai fait, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas pour le président Paul Biya. C'est pour le Cameroun. Ce que vous préparez là, on sait où vous êtes allé mettre les pieds. Je vous le dis. Parce que vous pensez toujours que je blague, pour certains. Mais ils savent, depuis ceux qui connaissent ce que j'ai publié depuis beaucoup à Ramsa, que mes publications, je peux blaguer, mais les 95% de mes publications, c'est du sérieux. Donc, je vous ai expliqué la démarche de Kamto, ce qu'il compte faire avec ses amis occidentaux, tous ses réseaux. Ils ont dit qu'ils vont me traquer parce que j'ai décidé de mettre à mal. J'ai décidé, je les ai mis à nu depuis 2017, 2018, 2019. Nous sommes en 2020. Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Et il ne le pourra jamais. Ils disent que je fais partie des gens qui ont mis à mal la campagne et l'image de Kamto. Sur ce, mes chers amis, laissons aussi les autres faire leur direct. Merci de m'avoir suivi, d'avoir été aussi nombreux jusqu'à la fin. Et comme je vous dis, nous sommes en guerre. Il y a des gens qui ont décidé de faire, qui considèrent le Cameroun depuis comme leur comptoir et qui considèrent leur ethnie, leur communauté comme leur même pays. C'est-à-dire chez eux, l'État-nation n'existe pas. Donc, le concept d'État-nation, ils s'en servent, on en parle. On s'en sert quand ça nous sert, ça les sert, et ils mettent ça à la poubelle, et ils traitent les autres d'un quoi, quand ça les dessert. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis très très énervé, parce que je suis tombé sur cette lettre-là, je suis tombé sur un ensemble d'informations, j'aurais pu publier, mais vous ne m'aurez pas suivi, vous n'aurez pas été nombreux comme vous êtes là, comme vous avez été ce soir, quoi. Donc, je vous remercie énormément pour tous ceux qui ont partagé, et humblement encore, voilà. Je ne veux pas m'éterniser quand même. Hein? Merci. Et je vous dis, s'il m'arrive quelque chose, vous saurez au moins où ça vient. Parce que ce n'est pas aujourd'hui comme maintenant, c'est depuis 2018. On me demande de m'éteindre. Voilà. Je vous le dis, on me demande de m'éteindre. Ce n'est pas les bras.
Ce n'est pas les affaires qu'on raconte là pour se donner une popularité et tout. Je n'ai pas besoin de popularité. Mais toutes mes publications partagées partout dans le monde, je n'ai pas besoin de ça. Depuis plus principalement décembre 2019, 2018, on me demande de m'éteindre. On me demande de m'éteindre. On me demande de m'éteindre. Du genre que s'il y a changement de régime, on peut m'appeler. J'ai dit, ne comptez pas sur moi. Voilà. Et d'ailleurs, même, je peux même changer de nationalité. Je ne vais même plus dans votre Cameroun, là. Je vends tout ce que j'ai là-bas. Pourquoi pensez-vous qu'il veut forcément être là-bas au Cameroun? Mes enfants, je suis Camerounais. Mais l'État allemand a décidé de faire de mes enfants des Allemands. Voilà. Et ils sont noirs. Je n'ai jamais épousé une femme blanche. Je n'ai jamais eu un enfant. Maintenant, l'État allemand m'a donné un titre de séjour. Pam. Voilà. Je suis un homme clair, honnête. Voilà pourquoi je respecte les règles de ce pays-ci. Mais chaque fois que notre pays sera attaqué, je serai toujours là. Chaque fois que le continent africain sera attaqué, je veux toujours vous exposer les plans, l'agenda caché de ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui manœuvrent pour mettre à mal et faire même un autre pays, notre Afrique, et faire même basse notre richesse. Et ça, je n'accepterai jamais. Pour ça, je suis un soldat. Je vous salue. Même s'il admet que les initiatives de collecte de fonds dans ce cadre de la crise liée au Covid-19 peuvent être louables, Paul Atanga NJI rappelle qu'elles doivent se faire dans le respect des lois qui régissent la République du Cameroun. Paul Atanga NJI exige donc l'arrêt immédiat de la collecte illégale de fonds lancée par Maurice Kamto. Ici, Danielle Sophie, correspondante permanente pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.